Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction. Et là on va regarder la story de Mohamed Dinih pour le match PSG-Bayern de Munich. Et voir sa réaction tout simplement. Et si il va faire ce qu'il avait promis, de se mettre à poil en haut sur la tour Eiffel. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Match. Loupé. Match. Les amis, pour pas gaspiller, bien sûr, j'ai une idée. Toutes ces assiettes cassées, je vais en faire un puzzle pour mon fils, pour mon bébé. Oula, de la mosaïque. Il va se régaler. Un beau puzzle. Voilà. Les assiettes cassées, les assiettes perdues, elles ne sont pas totalement perdues. Parfait. Et les amis, on y est, c'est le jour J. Tout Gigi, tous rourou, tout Gigi, allez rourou, tout choupeau, tout smooching, tout choupeau, choupeau mouching. Moi, j'ai juste un petit message pour l'équipe du Bayern Munich. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel! Les amis, la vie de ma mère... Oh là, je vais faire un malaise, les gars, je suis pas bien. Les amis, le PSG a peut-être... Bon, jeune et tout, y a pas de souci. Mais je vais me nourrir. Ma nourriture aujourd'hui, ça va être le malheur des Parisiens. La rassasier. Oh là, ça me suffit, je mange pas, je bois pas. Vous perdez ce soir, oh là, je suis content. Je vais boire un verre de larmes. Oh là, pas un verre de coca, pas un verre de tisane, non, un verre de larmes de Parisien, vos grosses larmes, des gouttes de sperme qui vont tomber de vos yeux, la vie de ma mère. Les Parisiens, ils ont même pas de champ. Oh là, les supporters du PSG, ils se réveillent en 8e de finale de Ligue des Champions. Toute l'année, on les voit pas. À partir des 8e, ils commencent l'année, eux, à supporter. Oh là, en 8e, le PSG joue, le Paris Saint-Germain, eh papa? Il y a Néné qui joue là. Néné. Néné, je suis là, Néné. Pète-moi le nénuphar. Papa. Regarde, enlève mon slip, papa. Il y a Néné. Néné Marmar, je suis là, Néné. Le pleurniche Saint-Germain. Le psychologue Saint-Germain. Il va vous falloir un psy ce soir. Oula, il y a un numéro vert qui a été installé. La vie de ma mère, le numéro vert, c'est 8-2. Vous tapez. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Très simple, numéro vert, 8 et 2. Vous appelez, une personne vous écoutera. Vous ne serez pas seul ce soir. Les Parisiens, supporters du PSG, ne restez pas seuls. Regardez le match en famille ou en ami. Ne restez surtout pas seuls. Pas de bêtises. Pas de prétentieux. C'est ce qui vous perdra, les Parisiens. Vous êtes trop prétentieux. Aujourd'hui encore, j'ai vu dans la presse, oula les amis, que les Parisiens sont pas contents. Les supporters du PSG ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas se réunir aujourd'hui alors que c'est un jour de fête. Mais quel jour de fête? C'est un jour de défaite. Pas de fête, défaite. Bande de prétentieux, vous lisez l'avenir, vous? Tout le temps, tous les ans, ils disent ça. Ouais, jour de fête, Trocadéro, Champs-Élysées, feu d'artifice, concert de Rolling Stone et au dernier moment, annulé. Concert annulé. Feu d'artifice annulé. Oula, pour cause d'intempéries. Une tempête de but va s'abattre sur Paris. Intempéries. Et aujourd'hui encore, vous parlez de fête? Encore, c'est reparti un an après. Vous n'avez pas retenu la leçon, bordel? Oula. Ouais, en cas de fête, quelle fête? Gagnez le match d'abord. Gagnez, après on en reparle. Nul. Je vais vous montrer l'article. Ouais, les supporters du PSG ont fait part de leur mécontentement. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se réunir en jour de fête. Quel jour de fête? Et quelle fête? Dis-moi, même si vous gagnez, quelle fête? Vous n'allez pas gagner, vous allez être éliminé ce soir. Oula, éliminé, ça vous apprendra. L'année dernière, ça ne vous a pas servi de leçon? Les deux bus là? Tout le monde s'en rappelle des deux bus que vous avez stickés. Hein? Ils ont stické deux bus. Oula, ils ont décoré le bus à l'intérieur avec des danseuses, des serveuses. Allez, annulé! On remballe! Oula, annulé! Vous avez marqué sur le bus, We are champion. We are perdu. Vous avez perdu ce match. Vous l'avez perdu. D'accord? Vous êtes incliné. C'est la honte, ça, incliné. Vous vous êtes incliné contre le Bayern Munich. D'accord? Vous avez perdu. Donc voilà. Vous avez été moins fort que eux.
C'est tout. Faut accepter la défaite. Faut pas accepter la fête. Les amis, coup de gueule chez Fendi, oh là, eh, je suis pas d'accord. Tout le monde croit que c'est la ceinture, les gars. Oh là là, Adim, c'est pas normal ça. Oh là. 1000 up qu'on croit que c'est la ceinture. Est-ce que vous voyez une gif? Dites-moi, les gars. Sérieusement. Est-ce que vous voyez une différence entre ça? Les amis, on est tous pareils quand on fait le ramadan. On se ressemble tous, les gars. La journée, on est là, on galère, on a soif, on a faim, on est faible, c'est la misère, tu galères et tout. Le soir, à l'heure du ftoul, la première cuillère que tu manges, tu fais quoi? Franchement, ça va. Oh, aujourd'hui, ça va, c'était pas trop dur, ouais. Mmh. Ouais, ça va, ouais, ça va. Quoi, ça va, quoi? Ce soir, c'est match. Ouais, dans les coulisses. Donc là, je vais choisir ma télé. Il achète une télé pas de sponsor, ni rien du tout, les gars. C'est mon argent personnel, voilà. Après, c'est des genres de télé comme ça, dans ces prix-là, à peu près. Voilà, genre même des fois 500, comme ça, 450. Non, mais celle-là, je l'aime pas, celle-là. Je les ai toutes faites, je les connais par cœur. Celle-là, elle est bien, celle-là. La Samsung, mais elle est un peu petite. Celle-là, elle est bien. Bref. Ah ouais, il a essayé toutes les télés, lui. Ça, c'est la queue, en fait. On ne peut rien se payer. Quasi nul. Bon, allez, on va accélérer jusqu'au match. Muchen, inish li bidi, j'y fend des mu, nick, inish li bidi, j'y fend des mu, nick, inish li bidi, j'y fend des mu, nick, inish li bidi, j'y fend des mu, nick. C'est pas moi qui le dis, c'est Kimmich, d'accord? Nous sommes plus forts. Kimmich a déclaré le Bayern est plus fort que le Paris Saint-Germain. Ne venez pas vous en prendre à moi. Ouais, t'es un rageux. Non, c'est Kimmich qui le dit. Allez vous en prendre à Kimmich. Allez hop, à la niche. À Kimmich. Voilà les gars. Bande de chanceux les Parisiens. Au match aller là. Au match aller, 26 occasions ils ont eu Bayern. 26. Même à FIFA, j'en ai pas autant. Voilà. Même à FIFA, j'arrive pas à en avoir. Les Parisiens, vous avez Mbappé, Neymar, les joueurs les plus chers au monde, vous prenez 26 tirs, vous avez pas honte ou quoi? Oula! Miskino, le Carlos Navas, là, c'est Keylor Navas. À quelle heure il va craquer au bout d'un moment. Tu sais, ils ont vu qu'il était fort, ils le laissent, allez, démerde-toi, vas-y, t'es un bon, on compte sur toi. Arrêtez un peu, hein. Le Bayern, les 26, ils vont rentrer. 26 à 1 ce soir. Inish libidi, j'y fend des murs. Nick, inish libidi, j'y fend des murs. Nick, inish libidi, j'y fend des murs. Nick. Oh là les amis, je vous parle super sérieux. Ce soir, je vois un 3. Wesh, you speak English, ish libidi. C'était ma phrase, ça. You speak English, ish libidi. Les amis, je vous parle super sérieux. Ce soir, je vois un 3-0 ou 4-0. Pour le Bayern Munich, la de ma mère. S'ils font comme au match aller, 3 ou 4-0, les gars. La Ligue des Champions, ça se passe sur Winamax pour mettre la daronne en Air Max, les frères. Qui dit match exceptionnel, dit bookmaker exceptionnel. Ce soir, c'est match. C'est plus Winamax, c'est Winamax. Match, les amis. Ils ont des putains de cotes, les frères. La daronne en Côte d'Azur, elle n'a plus de soucis à se faire. Là, je regarde la cote du Bayern, elle a combien, là? Les amis, c'est ce que j'ai misé le 9 avril, pas de 2000. Et là, tu mises sur Winamax. Et t'es logique. Champion Wallou. Les gars, ils l'ont stické pour rien. Les deux. Ils les ont stické pour rien, c'est con. Rien qu'une voiture, c'est 2000 euros pour la stické. Qu'est-ce qu'ils sont morts. Hein. Là, ça doit être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We are Wallou, ouais. Regarde. Oh la honte. Voilà. Le travail Transdev. On est reparti au charbon aujourd'hui. Retour à l'usine.
On rentre dans la dernière heure avant le ftol. On va tous manger à peu près vers 20h30. À part ceux qui ont un daron sadique. Les pauvres, oh là. Ceux qui ont un daron sadique. Dès que c'est l'heure de manger, stop. On rajoute 10 minutes. On sait jamais, je prends pas de risque. C'est le temps additionnel, les gars. Voilà. Dis-le pour rire. Ah, vous allez me dire ce soir quel temps additionnel vous avez eu au repas. Il y en a, c'est 2, il y en a, c'est 4, il y en a, c'est 6. Comment match? Tu sais pas jusqu'à la dernière minute. Voilà. Même moi, des fois, je me disais non, mais il fait trop clair pour que ça soit l'heure. J'attends encore un peu. On casse le jeûne. Voilà. Bon repas, ventre plein. PSG Bayern. Que rêver de mieux, frère. Voilà. Que rêver de mieux. Ah, mais après, tu manges tellement que t'arrives plus à bouger. T'arrives plus à bouger du canapé. L'armée rouge, les gars. Voilà. Là, c'est Neymar qui fait faute. Oh là, c'est Neymar qui fait faute, les gars. Kipembe bouche, hein, ta bouche. Hein. Y'a rien. Voilà, il nous partage. El Chapo, El Chupo. Voilà, El Chupo Guzman. Ah, les Parisiens, remontada, le cauchemar recommence. Voilà, le cauchemar. Appelez le numéro vert. Le 8-2, les gars. Voilà, il y a un psychologue qui vous attend. Pour remonter le moral. Voilà, regardez les Parisiens, ça y est. Voilà. Ils sont... Eh oui, fini pour vous. Regardez, 40e, il reste plus d'une mi-temps. Vous êtes foutus, voilà. Non, mais un but. Mbappé, lâche l'affaire, mec. Lâche l'affaire, grosse noisette. C'est pas ton soir. Voilà, dégage au Real. Dégage. C'est incroyable, les gars. Ils sont mal. Voilà, ils sont mal, les gars. Voilà, le peur Saint-Germain. Ils ont peur. C'est fini pour eux. Fini. Rêvons plus grand. Rêvons plus. Arrêtez de rêver, voilà. Là, c'est la réalité, mon pote. Voilà, Kimmich. Il a dit Kimmich. Il a dit Kimmich, nous sommes plus forts. Allez les gars, voilà, putain. Ouais, mais un but à l'extérieur compte double si tu calcules la racine carrée de pi sur l'angle du côté opposé de l'hypoténuse. Allez, c'est maintenant, fini. Ils t'ont acheté pour ça, ils t'ont acheté un milliard, bordel, un milliard. Espèce d'incompétent, va. Voilà, il est trop nul, le roi Samuel. Allez, dégage. Espèce de calamar, va. Et là, le vrai Neymar. Le logo du PSG. Allez, Jean. Éliminé. Ah, les Parisiens, j'espère que vous n'avez pas préparé les bus, là. We are champion. We are éliminé. Voilà, mettez ça dans le bus. We are nul. We are grosse merde. Voilà, frère. Alors, les Parisiens qui disaient là, ouais, ce soir c'est une grande fête. Quelle fête, les gars? Il n'y a que des fêtes, je vous l'ai dit. Palmarès du PSG, Neymar il fait un bon match. Voilà. Gagné 3-2 au match aller, ça fait 3 buts à l'extérieur. Vu que le Bayern a mis 2 buts, donc ça fait 1 but d'écart. Là, le Bayern au match retour, ils ont mis 1-0, ça fait 3-3. Sachant qu'à l'extérieur, ça compte double qu'à l'intérieur. Ça compte un but, donc si tu divises par 2, tu retiens 4 fois Pythagore fois cosinus pi divisé par la tangente de 4 fois racine carrée du chiffre du nombre premier, tu divises le tout par 2 divisé par Choupo-Moting, ça fait Ching, Ching divisé par Mo, ça fait Mo-Ching, Mo-Ching, t'enlèves Ching, ça fait Motard divisé par 4, tu retiens 8. Vous allez voir les gars, le Bayern, ils vont mettre un deuxième but, il y aura 2-0 pour le Bayern, les Parisiens vont être là, on est qualifié là, 2-0, vu que le premier but à l'extérieur, il y a eu... Éliminé. Arrêtez vos calculs. Éliminé. Allez, la deuxième mi-temps. Ouais, ben, le cosinus aussi. Le sinus du cosinus multiplié par pi 3,14. Voilà, il va faire des fives, Neymar. Va. Oh là, sa mère, Neymar. Casse-toi. Putain, va faire des ce qu'il fives, a loupé. Dégage, espèce de petit pied. Va. Oh là, il chose du 32, regardez les gars, regardez Valère Neymar, oh là là.
Oh là, je vous la montre. Ouais, je vous la montre. Ta grand-mère, va. Montre-nous ce que tu veux, le jouer la montre. Montre-nous ce que tu veux, le jouer la montre. T'as pas honte, va. Pour les gens qui disaient impossible que le Bayern y passe. Impossible is nothing. Impossible is Choupo-Mouching, les gars. La vie. Ils ont viré du club. Il est viré de la LDC. La Coupe Davis, voilà. J'ai entendu dire que Mbappé et l'autre, Neymar, ils ont encore un an. Apparemment, le Qatari, il est confiant pour les garder. Il est tellement confiant que s'il faut, il va faire venir Messi et Karim Benzema aussi, non? Kimpembe qui demande à sortir, il en a marre de son équipe. Oh là, Neymar, ils vont le virer. Oh là, ils vont le virer, les gars. Oh là, ils vont le virer. Allez, allez, oui! Oh là là, les gars, oh là. Oui, oui, allez les gars, boum! Oh là là les gars, allez les gars! Part fort, ça repart fort les gars, c'est la sanction les gars, la sanction, la punition. Oh Mbappé le retour, Mbappé rattrapé, oh là les gars, incroyable. Boum, allez, t'es seul, seul! Oh là là les gars, la panique. Ils ont, beaucoup vendangé. Le panique Saint-Germain, oh là. Moïse Kine, aucun risque, il est trop nul, oh là Moïse Miskine. Hop là, un avion de ligne, 3 points. Gars qui va se cracher à cause de lui. Première cause des accidents d'avion, c'est lui, oh là. Wesh, oh, il a ses pieds, c'est des pizzas, oh là les gars. Allez hey, il a marqué un essai. Allez Remsus. Allez, casse-toi. Casse-toi, il n'y a pas but. Pas but. Hors jeu. Allez. Allez. Allez, le roi Sani, il fait jamais rien. Allez. Allez, fais-moi ma oui. Oh là là. C'est vrai qu'ils ont poussé quand même. Allez, Choupo. Allez, les gars, oui. C'est la bonne. Oh putain, les gars. Oh là, les gars. Allez, les Bavarois. Ils sont bavards, là. Oh là, ils sont bavards. Ils sont bavards. Bim. Bim. C'est quoi ça? C'est quoi là, sa nouvelle arme? Ben, faudra le voir sur sa chaîne alors, le débrief. Donc, ben, je vous annonce la nouvelle. Il a cassé sa télé. Tout simplement, les amis, c'est Mohamed Denis. Après, c'était un peu normal de voir le Bayern me pousser. C'est comme je dis en foot, quand deux équipes ils ont un niveau pas déséquilibré entre elles, c'est souvent l'équipe qui est menée qui va faire le jeu, tu vois. Et souvent l'équipe qui mène au score qui va reculer un peu pour assurer ses arrières. Et vice-versa, dans un même match, tu peux voir, tac, il y a une égalisation, du coup, toute la machine elle s'inverse. Quand il n'y a pas un gros déséquilibre entre les deux formations, bien évidemment. Voilà, voilà, donc le PSG qualifié, donc... Il l'a pas rappelé, il a oublié de le dire, mais Mohamed Denis, j'ai fait la story dans une de mes vidéos, t'avais promis que si le PSG se qualifiait face à Bayern, tu te mets à poil en haut de la tour Eiffel et tu t'assois sur la pointe. Oh putain. Il a promis, comme il avait promis de courir dans les rues au Canet de Cannes. Canet plage au Roussillon. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Denis, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en mettant un commentaire, un pouce bleu, en vous abonnant, en cliquant sur la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction.